Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon version Rouge Feu. Et donc petit récapitulatif des derniers événements de ce Let's Play, nous avons obtenu notre quatrième badge arène à l'arène de Céladopol. Et nous allons continuer notre aventure. Je rappelle qu'il faut 8 badges à obtenir pour affronter la fameuse Ligue Pokémon. Il en reste donc 4 à obtenir, mais avant de quitter cet endroit, nous allons, comme le veut le jeu, affronter la Team Rocket dans le fameux casino de Céladopol, évidemment bien connu. Au niveau de l'équipe, pas vraiment beaucoup de changements. Nous avons notre Topicœur, mais lui, c'est une sorte de 16 live, vu que c'était pour utiliser coup. D'ailleurs, je pense que j'en aurais plus besoin maintenant, donc on peut carrément l'enlever. Et le reste de l'équipe, eh bien, il n'a pas changé. Donc je n'ai pas encore trouvé mes futurs coéquipiers que j'ai décidé déjà au préalable de choisir, mais rassurez-vous, ça va venir. Nous avons donc toujours Nostalgie, Tarzan, donc le Ferrosinge avait évolué en Colossinge, hein, je rappelle. Nostalgie va bientôt évoluer en Torkoal au niveau 36, Bulldozer lui est toujours excellent. Donc on va XP hein, aussi au passage, ce serait pas mal quand même. Alors, on est parti. On va affronter lui. Alors. On va se faire un petit. Voilà. Alors, la Team Rocket. Soporifique. Donc là c'est fermé. Ah bah des noms ici. Alors là, on a les fameux petits tourniquets. Smogo. Ils sont en bas niveau. Pas de norme. Ratatac. Il faut d'abord obtenir la clé pour l'ascenseur. Machoc. Et Machoc deux fois. Frustration, c'est pas intéressant. Alors. Super bon. Ouais. Ça va pas nous servir à grand chose, mais. Bon, on remarque. Plus tard, hein, si on a un niveau à gratter, c'est tant jamais. Ils vont travailler. Le petit malin. Les lunettes noires, c'est pour les attaques ténèbres, ça non, ah bah c'est bien pour l'installer. Vu qu'il a une mauvaise morsure. Ça pousse de combien le. Ah non, bah je le saurais pas. Je crois que c'est. Non, c'est pas 50%. Hein. Donc c'est 30. 30 ou 33%, je crois. Ça fait pas stable quoi. Mais ça fait juste quelques dégâts en plus. Lui. On va voir les dégâts. Bon, là c'est bon, c'est rapide, c'est pas compté. Ok, on a la clé. Saisi, ça on s'en fout. Oui, passer vers là, du coup. Une pierre lui.
pas forcément utile. Je sais pas si ça va nous aider à grand chose. Attention, parce que j'ai... Donc, c'est le fait d'accélérer le jeu et tout et tout. Alors, quatrième sous-sol. Calcium. On continue. Oh, le poison. Ça faisait longtemps. Ah, bon. Ah, par contre, avant la montée de Giovanni, là. Pour nostalgie. Ah bah du coup. Non, c'est... Non, c'est... Oui, c'est ça que je cherche. Allez, à nous deux. Mix. Une corne. Force. Ah oh bah il y a 24. Kangourex. T'as défoncé mon ami Giovanni, hein. Et on a le Swap Sylph qui va nous servir pour la fameuse tour de l'avant-ville. Pour ceux qui connaissent bien le jeu, hein. Ça c'est bien connu, évidemment. Alors on y va. Hop. On va re-soigner nos Poké rapidement. Et avant toute chose, nous allons nous rendre à... oui, voilà, au centre commercial. Alors, il faut aller au... attachement. Et ça. Et il me faut ça. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Je pense que ça devrait vous parler un petit peu. Enfin, bref, on n'y est pas encore. On va revenir à la ville. Et maintenant qu'on a du coup... comment dire... le thé, voilà, qu'on avait obtenu avec la vieille dame de l'immeuble. Et on a, on peut passer sur les portes intermédiaires, là on a Safrania, où il y aura une prochaine arène, mais c'est pas tout de suite encore. Ça, j'en aurai besoin pour plus tard. Ça, qu'on a pas fait ici. Oh, je sentais le poison là. Punaise. C'est toujours là. Pikachu. C'est bon?
Oh. Tellement. Voilà, on y est. On va affronter la rivale du coup. Alors, est-ce qu'on le tue avec 3 pokés? Il a un groupe niveau 25, donc quand même. On va lui donner. Très faisable. Ok. Au revoir. Kadabra. Alors, attention quand même à Kadabra. On va remettre du bowser. Comme on le dépasse, on va nous en emmener, tant mieux. Léviator, oh. On va mettre nostalgie pour Léviator. On va lui baisser. Il est au 23 secondes, ouais. On va lui baisser un petit peu sa défense quand même. Ah, ça fait 0. Ah bah oui, du coup. Le flinch. Oh, pardon. Au revoir. En vrai, le Léviator, il pouvait pratiquement me tuer. J'avais pas grand chose. Ah, j'avais ton broche, tu me diras. Ouais, c'est vrai qu'il a. Il avait pas vraiment mon pool. Là, son pool est vraiment très, très, très limité. Il avait que mania pour me passer. Bon, je propose d'enchaîner tout de suite. On va d'abord mettre lui, voilà. Alors, j'ai pas envie de me taper tous les dresseurs en permanence. Il glisse ça et voilà. Après, tu me diras, ça fait une XP. Donc, ça, c'est pas bon. C'est un peu relou sur les bords ici. Hein. On met ça. Fantomus. Super balle. Qu'il me restait des. J'en ai acheté plusieurs pour la cave. Donc ça, et pour la voiture. Là, pour ça aussi, ça marche. Allez, à nous. Bon, en vrai, comme ils nous serviront jamais, ça. Ça y est, oui. Mais... oui.
quelque chose de compter là-dessus en fait. Oh, mais c'est quoi ce axe, putain? Bulldozer se venge, hein. Ah, punaise, là. Je me prends la confus à chaque fois. C'est bon, on a win. Hop. Voilà, il va nous donner la Pokéflûte. Voilà, c'est ce que je cherche, donc... Je pense que vous allez vous douter de quel Pokémon j'ai besoin dans quelques instants. Mais avant toute chose, nous allons acheter des petites Pokéballs. Notamment ça, voilà, des Super Balls. Ça va suffire. Voilà, on est tranquille. Pas des sous, on va en profiter. Écoutez, va juste falloir traverser le pont. Et on entend les brasseurs, évidemment. Hop, au revoir Poissirène, petit art. Et encore Poissirène. Ça va en level, je suis pas trop comme j'ai fait 3 Pokémon, moi. Mais ça passe. En vrai, c'est important d'avoir un niveau correct dans ce jeu parce que l'XP à un moment donné va être chiant. Pourquoi tiens? Bon, deux attaques combat, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix. Et d'un, et de deux. Bon, ça va vite. Hein. Au revoir. Ça va, le Pokémon très faible. Et voilà, notre ami. C'est bien un Ronflex dont j'ai besoin, un des meilleurs Pokémon de la première génération, évidemment. On va le tombroche un petit peu, voilà, l'affaiblir. Ah, il y a un repos. Bah forcément, tu me diras. Allez, on va. On est obligé de l'affaiblir, de toute façon. J'ai peur qu'il meure si je fais une attaque combat. S'endort en permanence, ça va être dur. Ah, ça commence. Ça ronfle le monde. Oh là là, je pense que le vieil est en fait. C'est pas grave, on continue de taper. Tu peux rentrer s'il te plaît. Allez, je suis sûr que tu peux le faire. S'il te plaît. Non, mais c'est... Oh, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il veut pas? J'arrive pas à le capturer. Oh, ah bah oui. C'est bon, voilà, c'est... Enfin, dis donc. On va l'appeler. Comment est-ce qu'on l'appelle? Oh, je sais, tiens. On va l'appeler Panacloc. Parce qu'il a un gros ventre, ça fait penser au ventriloque. Va savoir pourquoi. C'est mes idées à deux balles, quand t'as pas d'idée de nom. Oh, il est modeste. Oh. Le Ronflex modeste. Il a Isogresse, ça c'est bien, évidemment. Football. Et il a repos. Bah non, c'est un peu nul. Fouement.
Il a quoi de boulot pour vous? Il a pas vraiment de soin, lui. Il a quoi ça? Faudra lui mettre des moves, hein. Impérativement, faudra lui mettre des moves. Mais ça va, je sais pas s'il peut avoir une malédiction avant tes niveaux. Il me faudrait une malédiction et peut-être une attaque de coverage. Et on va laisser repos. Parce que, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres options. Effectivement. Essayer de s'en servir de notre nouveau venu. Ça fait de bons dégâts quand même, hein. Enfin, il n'y a pas une grosse différence de niveau, mais... Ah, c'est une bonne attaque, hein. C'est solide, ça, c'est pas fort. Faut pas le sous-estimer, en fait, ça. Je sais pas ce que ça peut apprendre. Je vais regarder un petit peu. Juste un instant. Alors. Alors non, ça c'est avant. 3G du coup. Ah oui, plaquage. Ah bah il va apprendre plaquage maintenant. Il lui manque exactement le niveau dont j'ai besoin.
Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ça, on s'en fout. Ok, bah c'est pas mal. Il a pas besoin de grand chose de plus. Hein. De toute façon, j'ai pas grand chose de plus à lui apprendre. Il faudrait malédiction. Ouais. Ouais, il a pas malédiction comme ça. Oui, il peut la prendre. Ah, ça serait bien de lui apprendre toxique. Toxique repos, ce serait assez relou, j'avoue. Surtout qu'il y a, le seul Pokémon qui peut me gêner, c'est Magneton, mais ça sera pas vraiment joué. Hop, au revoir. Aïe aïe aïe. Dépense là. Alors, 14. On va éviter de se taper tous les dresseurs, hein, ça finit par être assez relou. Bon. On peut pas tous les esquiver. C'est beau. Et on va bientôt avoir notre prochain Pokémon aussi. Ouais, il sera dans la. Il sera par Mani. Du coup, ce sera bientôt. Et le dernier, ce sera un peu plus tard, mais on finira par l'avoir aussi. Ne vous en faites pas. Oh la robineuse. Mon gros loulou. Ok, c'est bon. Ouais, c'est un métamorphe en gros comme ça. Ça a pas genre 1% de pop. Je crois que j'ai eu la genre de sur métamorphe comme ça. Bon, on va aller chercher notre Pokémon. De toute façon, il va nous être assez utile pour après. Ah oui, putain. Oui, de toute façon. On fait le tour, c'est pareil. Allez. Donc le Pokémon dont j'ai besoin, il est là. Au parc Safari. Alors, logiquement, je sais pas s'il est où après. Il est peut-être là. Je crois qu'il est là. C'est pas lui. Je suis sûr qu'il est là. Je l'ai déjà capturé ici. On aurait exparassé. Non. Non. Merde. Ah mais il est pas là. Si il est là quand même. Ou alors je suis stupide. Non, je suis pas stupide. Je suis sûr qu'il est là. Ou alors je. Ah. Bah quand même, oui, c'est bien le 9 dont j'ai besoin. Oh, il est... Oh putain, il s'est barré. Connard. Ah, merde. Stopper, rentre, là. Je vous rentre. Non, t'as juste... Allez, oh, mais putain. C'est quoi ton problème, là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà, stopper, rentre. Mais... Il est ouf ce Pokémon de merde. Allez. Allez. Il veut pas, hein. Il veut pas ce Pokémon. Mais punaise. Je vais jamais y arriver. Mais à chaque fois je me trompe. Je clique trop vite. Putain.
Allez, cette fois tu rentres, s'il te plaît. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce taux de capture? Ah, j'ai pas de chance comme ça. Surtout que tu peux pas les affaiblir. Hein. Ok. Voilà, tu rentres maintenant, s'il te plaît. Allez. Un petit effort, il en résiste. Oui, c'est bon. Oh, dis donc. Oh, tu me saoules. Tu m'as saoulé. Oh, un secrétaire. Ça va pouvoir sortir maintenant. S'il vous plaît. De toute façon, on y retournera au safari, forcément. Non, mais... Je veux sortir. Merci. Alors... Ah oui, du coup... il faut retirer ça. Nature prudente, je sais plus ce que ça fait. Chlorophylle, mais... alors, il a vampigraine, ça m'intéresse. Ce qui va aussi m'intéresser, c'est de lui mettre... Gigan Rain, forcément. Il est sensu. On va chercher le comptable. On va lui mettre Psycho. Je regarde juste quelque chose. Ouais, poudre dodo, ça m'intéresse. Sauf que ça veut dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas utiliser la pierre. Logiquement. Ouais, non, il a rien. Il a rien quand il évolue ce Pokémon, parce que c'est tous les Pokémon qui évoluent par pierre d'après Norin. C'est un peu le problème en général. Sauf que lui, bah quand même, hein. Je peux pas garder un 9-9 hein, comme ça. Ah oh, mais arrêtez de vouloir m'empoisonner, putain de merde. Oh c'est casse-pied. En vrai, c'est quoi son dernier move? Il a protection. En vrai il peut garder ça. On va utiliser la pierre. Ouais. Ça m'agace, sinon je veux pas garder le truc comme ça. Allez, noix de coco, le cinquième Pokémon, on l'a pas renommé, tiens. Grosse erreur de ma part. Ouais, on l'a pas renommé. Je sais pas si on peut trouver le mec qui renomme plus tard. Et le dernier Pokémon que j'ai envie de capturer, c'est pas tout de suite. Lui, non, on va pas jouer avec ce truc. Avec Banaclop va venir. Allez, merde. Le petit plaquage qui fait plaisir. Allez, Dodio. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Ok, d'accord. Vous voulez pas que je m'arrête, on a compris. Allez, tue-le, s'il te plaît. Il a tanké une taillade. Une double faiblesse, quand même. Hein. Faut quand même le rappeler avec un artichaut. Hein. Voilà, un Pokémon très intéressant. Encore vous.
c'est bon, cette fois on s'arrête vraiment, puisqu'on a fait beaucoup de choses. On n'a pas fait la cinquième arène du jeu, mais il faut XP notre Pokémon là. Alors je pense pas que je le ferai hors vidéo. Voilà, on verra ça du coup demain, puisque du coup le prochain épisode ce sera demain. On va essayer donc d'XP, de faire la cinquième arène du jeu, et puis après les choses vont progressivement s'enchaîner, puisque je rappelle que vendredi sort Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et évidemment je le ferai en vidéo, et je veux finir ce let's play. Donc il y aura un épisode demain, un épisode jeudi et un épisode vendredi aussi, si jamais j'ai vraiment pas fini, ou si jamais je peux finir jeudi, c'est bien aussi. Enfin bref, on verra ça prochainement. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode, et on se retrouve très prochainement pour la suite.